Bonjour à tous, c'est GamerTest360 et aujourd'hui on se retrouve sur tout simplement mon interface de la PS4. Alors nous avons tout simplement, aujourd'hui je vais vous montrer comment télécharger. Bien sûr télécharger, je vais vous le montrer dans quelques instants. Alors montrer comment télécharger comme ci-dessus. La version tout simplement de Nocturne, la bonus map. Call of Duty Black Ops 3, jeu Gion Zombie bonus map. Et bien sûr, Call of Duty Theme, Morgan City Theme, pour les personnes qui ne savent pas. Je vais vous expliquer tout simplement comment il faut faire. Ok. Donc, on va commencer tout simplement par ce petit bonus map Giant et tout ça. Alors, tout simplement, vous allez vous rendre sur sur PlayStation Plus. Une fois qu'on y est là. On attend que ça charge. Non, c'est pas ici. Désolé, c'est PlayStation Store. Hein. Petit manque d'inattention. Donc, on va attendre. Merci de patienter. Ça peut être long, très long. Alors, une fois que vous arrivez ici, vous allez aller sur Call of Duty Black Ops 3. Vous allez faire vous allez faire OK. Et vous allez choisir l'édition Deluxe. Une fois que ça l'est fait, vous allez cliquer sur 99,99€. Voilà. Une fois que ça l'est fait, vous allez voir en dessous des 4 jours restants pour avoir Black Ops 3. Ce qui est un jeu génial. Vous avez le télécharger, vous cliquez sur télécharger. Ça charge. Il y a le zombie ou le multiplayer à sélectionner. On va sélectionner le zombie. On attend, ça charge. Là, ils vont vous dire impossible d'ajouter au téléchargement. Vous allez cliquer sur OK. Et là, vous allez voir que téléchargement de la map Giant et Nocturne vont débuter comme ici à droite. Bon, apparemment, j'ai pas assez de place. Et là, il y a la map Giant qui se télécharge tout simplement. Vous avez les deux versions. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Donc, notification et téléchargement. Et il y a la map Call of Duty Black Ops 3 The Giant Bonus Zombie qui est en train de télécharger. Plus l'extension de la bonus map Nocturne, comme tout le monde le connaît. Donc, après, maintenant, je vais vous montrer tout simplement comment avoir le thème Morgan City, ce qui est le plus bas dans cette vidéo. Le plus important de cette vidéo, c'était tout simplement d'avoir la map Nocturne en déjà en téléchargement sur votre console, comme ça c'est déjà fait, vous n'êtes pas obligé de vous faire chier le jour même où il y aura Black Ops 3 qui sortira. Et voilà. Alors là, je vais vous montrer ça. Et maintenant, on va vous montrer comment avoir le thème de Morgan City qui se trouve tout simplement ici. On voit ce magnifique paysage avec la pluie qui tombe, en sachant bien même qu'il y a un petit son de fond qui est assez maussade. C'est la musique années 80, hein, je peux vous dire ça. Alors on va aller dans paramètres, nous allons tout simplement cliquer sur thème. Une fois qu'on a cliqué sur thème, on va faire ombre pour... on va faire sélectionner un thème. Et là vous allez aller tout en bas, bon moi je l'ai déjà, hein. Vous allez tout en bas, vous allez trouver dans PlayStation Store. Vous attendez bien sûr. J'ai le rhume, j'ai les oreilles qui se bougent, je sais pas pourquoi. Et là, en premier lieu, vous aurez le petit thème qui s'appelle Shadow of Evil de Black Ops 3. C'est un thème gratuit, n'hésitez pas à le télécharger. Et comme moi je l'ai déjà acheté, hein, on peut regarder un petit aperçu. Il y a déjà 6000 personnes qui l'ont commandé. Déjà mis, bon ça bien sûr ça a été mis le 30, ça a été mis il y a un jour de ça. Les personnes qui ne savent pas tout simplement comment ça se passe au niveau des deux maps, comment les avoir et tout cela, je vous ai tout simplement expliqué comment on l'a. C'est en train de se télécharger, j'ai vraiment une connexion de merde, hein. C'est pour ça qu'il y a écrit 4 heures. Je peux vous dire que j'ai vraiment une connexion de merde et vous pouvez le voir à la vitesse que ça va, les téléchargements, même si je coupe un téléchargement, ça va vraiment très très doucement. J'espère tout simplement que cette vidéo sur comment avoir déjà en avance Gion Zombie bonus map et Nocturne bonus map en avance en téléchargement, j'espère tout simplement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de la liker, de vous abonner et je vous dis à la prochaine les gens. Peace. Yeah, I don't care, baby, it's all the way. Because I'm happy, I'm alive, you get to feel like I'm this out.
Just get in control.